tous, c'est Florence Galliano de Calico Ethnic. Ce matin, je viens vous parler des bienfaits du bain d'huile. Voilà. Pourquoi le bain d'huile? Le bain d'huile, c'est pour compenser déjà la fragilité naturelle des cheveux crépus et bouclés. Parce que les cheveux crépus et bouclés poussent d'une manière spirale. Ça tourne autour de, le cheveu tourne autour de lui-même pour pouvoir pousser. Et c'est pour compenser aussi la sécrétion lente du sébum. Le sébum, c'est l'huile qui sort de que produit notre corps. Donc cette huile-là, vous l'avez sur le corps, sur le cuir chevelu aussi. C'est ça qui permet à ce que le cuir chevelu soit lubrifié, soit hydraté. Et comme la sécrétion elle est lente pour les cheveux crépus et bouclés. Voilà pourquoi ce matin je vais vous parler du bain d'huile, parce que cela va vraiment vous aider à pouvoir compléter le sébum qui coule pas assez déjà sur les cheveux. Donc qu'apporte-t-il à nos cheveux? Le sébum apporte déjà de la vitalité. Il apporte le bain d'huile apporte de la vitalité et nourrit, hydrate le cuir chevelu. Qu'est-ce que j'ai encore à dire pour cela? Pour le mode d'emploi, c'est vraiment facile. On l'applique avant le shampoing pour hydrater, nourrir le cuir chevelu. Avant le shampoing, sur les cheveux secs. Donc, comment vous faites? Vous faites des raies, voilà, vous tracez les raies sur les cheveux, vous montre. Et vous mettez l'huile. Vous mettez l'huile, vous massez, ainsi de suite, vous tracez. Vous mettez l'huile, vous massez. Là, j'en mets pas beaucoup parce que c'est juste une démonstration. Et ainsi de suite, surtout la tête. Après, vous commencez à mettre aussi, vous en mettez aussi sur la longueur. Voilà, vous en mettez aussi un peu sur la longueur. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Là, c'est juste la démo. Hein. Voilà, vous mettez aussi sur les pointes aussi. Voilà. Comme là, j'en ai pas vraiment besoin. Ça, c'est juste pour vous montrer comment appliquer le produit, comment appliquer votre bain d'huile. Voilà. Quand vous avez fini de faire ça, vous massez votre cuir chevelu. Vous massez le cuir chevelu pour améliorer la circulation sanguine. Parce que quand la circulation sanguine est améliorée, ça active, ça accélère la pousse du cheveu. Donc là, Vous massez de tous les côtés, comme ça. Voilà. Les côtés. Tout doucement. Ça, c'est pas la peine de frotter. C'est masser. Voilà. Masser. L'avant, l'arrière en même temps. Et voilà. Et après, vous pouvez allonger encore plus sur la longueur et les pointes, surtout les pointes, hein, les pointes fourchues. Voilà, vous massez sur les pointes fourchues. Voilà. Et si vous avez un bonnet chauffant, vous mettez le bonnet chauffant. Voilà, ça se présente comme ça, le bonnet chauffant. Voilà, ça c'est un bonnet chauffant. Vous mettez un bonnet de bain pour protéger quand même votre bonnet de drap, et vous mettez votre bonnet chauffant. Et voilà, vous mettez le bonnet chauffant comme ça permet que l'huile pénètre bien dans la fibre capillaire. Voilà, excusez-moi, j'enlève mes lunettes. Voilà. Vous mettez comme ça et vous laissez poser au moins pendant 20 minutes. Voilà. C'est le temps qu'il faut. On n'a pas besoin de le laisser une heure ou bien toute une nuit. Ça va servir à rien. L'huile n'agit que pendant 20 minutes. Voilà. Voilà. Vous laissez poser au moins 20 minutes. Vous prenez votre journal. Vous détendez. Et au bout de 20 minutes, vous enlevez le bonnet. Vous faites le shampoing.
Et moi aussi, moi j'ai aussi ce bonnet chauffant au grain de lait. Au grain de lin, elle est vraiment 100%, il est 100% naturel. Vous, comment l'utiliser? Vous mettez dans le micro-ondes. Avant de l'utiliser, vous mettez dans le micro-ondes pour qu'il chauffe. Et quand il est bien chaud, quand il est chaud, vous mettez sur votre tête. Vous mettez sur la tête, vous couvrez. Voilà. C'est un bonnet chauffant au grain de lait. De lin 100% naturel. Au grain de lin 100% naturel. Et ceci améliore l'efficacité de vos masques et de vos bains d'huile aussi. Voilà. Et après, je vais aussi ajouter quelque chose. Par contre, si vous avez des cheveux à porosité faible, pas trop de chaleur, parce que la porosité forte, pardon, n'aime pas beaucoup la chaleur. Donc, il faut vraiment moins de chaleur. Essayez de mettre, si vous avez des cheveux à porosité forte, essayez de mettre juste un bonnet. Mettez juste un bonnet simple comme ceci, comme celui-là. Vous laissez un bonnet comme ceci, vous laissez poser au moins 20 minutes. Si vous avez porosité forte, c'est des porosités fortes, les écailles sont déjà très ouvertes. Donc, c'est pas la peine d'utiliser de la chaleur pour les ouvrir. Elles sont déjà ouvertes. Donc, vous utilisez juste un bonnet simple, un bonnet de bain. Et vous laissez poser pendant 20 minutes. Alors, par contre, si vous avez une porosité faible comme les miens, vous utilisez vraiment de la chaleur pour pouvoir faire pénétrer, pour ouvrir les écailles et laisser pénétrer l'huile pour qu'elle puisse agir et apporter ce qu'il faut à votre chevelu et à vos cheveux. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Quel type d'huile? Vous avez l'huile de ricin, vous avez l'huile de balanite, vous avez l'huile de baobab, vous avez l'huile de gingembre, vous avez l'huile de gingembre, vous avez l'huile d'avocat, l'huile d'amla, vous avez l'huile de coco, vous avez aussi le beurre de karité, vous avez le beurre de karité, l'huile d'olive aussi. Voilà, donc c'est des huiles que vous trouvez facilement. Et nous, à Kento Ethnique, nous vous proposons le bain d'huile aux trois huiles. Le bain d'huile aux trois huiles, vous avez du gingembre, vous avez du ricin et le balanite. Le gingembre va améliorer, c'est un puissant actif qui détend les vaisseaux sanguins, qui détend les vaisseaux sanguins et augmente leur afflux. Et c'est ce qui va accélérer la pousse de cheveux. Donc le gingembre qui est à l'intérieur, qui est dans ce bain d'huile là, est un puissant actif qui détend les vaisseaux sanguins et augmente l'afflux sanguin, ce qui accélère la pousse de cheveux. Et vous avez encore l'huile de ricin. L'huile de ricin, tout le monde connaît, ça nourrit, ça assouplit le cheveu. Et ça favorise aussi la pousse. Le balanite aussi protège la fibre capillaire. Protège la fibre capillaire. Qu'est-ce qu'elle fait encore de balanite? Elle nourrit intensément le cheveu. Donc, chez Kento Ethnique, nous avons ce bain d'huile aux trois huiles. Voilà, il est à 10 euros et ça fait 100 ml. Alors, vous avez trois huiles dessus, vous avez trois huiles dedans qui sont vraiment très efficaces et qui feront du bien à vos cheveux. Voilà, c'est le bain d'huile aux trois huiles. Gingembre, ricin, balanite. Pour où les trouver? Bon, pour Abidjan, vous allez trouver, nous sommes à Abidjan au Carrefour Faya. Vous allez sur notre page Facebook. La page Facebook de Kento Ethnique, vous tapez Kento Ethnique, vous allez avoir tous les renseignements qu'il faut concernant l'adresse. Pour la France aussi pareil, pour ceux qui sont en France, allez aussi sur notre page Facebook ou Instagram, vous tapez Kento Ethnique, je vous mettrai l'adresse tout à l'heure, vous mettez Kento Ethnique et vous allez voir les prix et posez vos questions pour savoir comment faire pour commander, comment être libre aussi. Donc n'hésitez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est vraiment une chaîne qui est vraiment très utile pour vous parce que je suis coiffeuse et esthéticienne depuis 30 ans. Donc j'ai de l'expérience de la coiffeuse, je ne viens pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Je viens faire des vidéos pour vous sensibiliser afin que vous puissiez entretenir vos cheveux naturels.
Même si vous mettez des perruques, même si vous mettez des tissages, mais vos cheveux méritent vraiment d'être entretenus avec des soins appropriés, c'est-à-dire des soins qui sont vraiment adaptés à votre type de cheveux, à votre type de porosité aussi. Encore, vraiment, c'est vraiment pour vous sensibiliser à utiliser les produits vraiment 100% naturels. Chez Kenpeptic, nous avons des produits qui sont 100% naturels. Nous avons des masques, nous avons des lotions lavantes. Qui remplace pour ne pas dire shampoing. Hein. Nous avons aussi des laits capillaires 100% naturels. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Je vous présenterai chaque produit, son efficacité et son utilité. Voilà, si c'est vraiment adapté à vos cheveux, à vos types de porosité ou pas. Donc, n'hésitez pas de regarder mes précédentes vidéos sur YouTube. Et de vous abonner, c'est vraiment une chaîne qui va faire du bien, qui va vraiment vous aider pour vous occuper très bien, pour vous occuper comme il faut de vos cheveux et avec des soins appropriés pour ne pas utiliser n'importe quoi. C'est pas tout qui va avec tout le monde. Chaque type de cheveux a son produit, chaque type de cheveux a son huile, chaque type de cheveux a son soin. Donc franchement, je vous dis, n'hésitez pas, c'est pour vous sensibiliser, pour dire l'entretien de vos cheveux au naturel. Que vous mettez des perruques ou tissages, c'est pas grave, mais faut entretenir vraiment vos cheveux pour les garder beaucoup plus longtemps et les garder en bonne santé. Voilà, c'était Kento Ethnique. Donc n'hésitez pas d'aller sur ma page Facebook pour les renseignements, pour de plus amples renseignements, ou écrivez-moi aussi sur YouTube et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Allez, je vous souhaite une bonne et belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'était Kento Ethnique, c'était Florence Galliano, créatrice de beauté, créatrice des soins capillaires Kento Ethnique. À bientôt!